Qui sommes-nous alors? Alors qui nous sommes? Nous sommes une partie du groupe Babel West. Donc moi je fais la basse. Et moi je chante et je joue de la guitare acoustique. Et puis donc il en manque trois. Donc il manque un guitariste électrique. Quelqu'un qui joue du kanoun, c'est un instrument traditionnel oriental. Et puis un batteur. Et un batteur. Voilà. Là, on est très content. Notre album est enfin né. Il est sorti le 12 mai. Et là, aujourd'hui, le 18 mai, on va le présenter dans une salle parisienne. Et on est très content de tout l'engouement qu'il y a eu derrière. Il a eu un très, très, très joli accueil. Et on en est très fiers. Oui, c'est vrai que cet album d'Ouar, c'est le fruit d'un travail de fond. Un travail qui n'en est pas un, puisque nous, ça fait 6 ans qu'on se connaît avec Habib et Marc, le batteur. Et c'est un travail de plaisir, évidemment. Donc on a fait énormément de concerts à 3 et à 5, notamment. Et l'album, je pense qu'il sent un peu ça, le concert, l'ambiance des cafés-concerts, des bars, la sueur, la joie, la fête. Je pense qu'il sent ça. Après l'émotion, tout ce qui a trait vraiment à cette partie-là sensible, ça c'est vraiment le fait d'Habib. Pour moi en tout cas, c'est lui qui tient cette partie sensible dans ce texte et dans sa voix. Parce que les textes, même si on les piche pas, si on comprend pas l'arabe ou le berbère, on comprend son intention. Moi je suis le premier témoin de ça, quoi. Alors, je vais lui rendre le compliment. L'écriture, c'est un peu un atelier de styliste, j'ai envie de dire. Donc, si le mot est mal habillé, ça se sent. S'il est bien habillé, ça se sent aussi. Et je pense que, effectivement, il y a beaucoup de fond, il y a beaucoup de sens dans les textes qu'on essaie d'aborder. Ça reste vraiment des textes de la vie, de la société, des choses qui parlent à tout le monde, de 7 à 77 ans.
Et c'est là que, en rencontrant évidemment le noyau dur de Bubble West qui se compose de Marc Dupont à la batterie, de Clément Valin, c'est là qu'on a commencé vraiment à essayer de voyager et d'explorer d'autres recoins des émotions. Douar, qui veut dire village en berbère, en arabe, et qui veut dire la même chose pour notre plus grand bonheur en breton. Et c'est en parcourant la Bretagne qu'on a eu l'idée de le baptiser comme ça. Et puis les titres des chansons sont venus après, vraiment pour construire une histoire qui part d'un point A à un point B. Et je pense que Clément est mieux placé pour parler vraiment du côté musical, parce que bon, c'est lui qui a un peu supervisé toute cette partie-là. Effectivement, il y a pour en revenir à la pochette, au graphisme qui a été fait de main de maître d'ailleurs par Pierrick Guidou et sur des illustrations de Annick Kamgang. En fait, c'est un travail qui illustre un peu notre volonté de jeu de piste aussi, de pas tout donner tout de suite. Ça s'est passé comme ça pour nous. Habib, il nous a pas expliqué tout de suite ses morceaux. C'était bien pour nous. Nous, on cherchait pas forcément à savoir ce qui se passait. On sentait ce qui se passait. Et puis en plus, Habib, c'est quelqu'un dans son écriture qui utilise beaucoup de métaphores, d'images. C'est beaucoup de double sens. Donc c'est vraiment des lectures à plusieurs degrés. Et pour la musique, c'est pareil. Il y a beaucoup de styles. Mais on a essayé que ça sonne pas comme un patchwork, parce qu'il n'y a rien de pire que mélanger plein de styles sans cohérence. Donc on a essayé de trouver un pont entre ces différents styles de musique, donc que ce soit la musique latino, la soul, la musique trad gnawa ou la musique orientale. Et on a essayé de trouver un pont, et ce pont, pour moi, c'est la mélodie. La mélodie donc orientale, on va dire, d'Habib et de Nidal. Et le rythme. Donc le rythme, c'est la batterie, la basse, la guitare. Le rythme qui appelle la danse. Et même quand c'est des balades, il y a toujours quelque chose qui rappelle un peu la danse ou la transe, quoi. Quelque chose de la vie, quoi. Je sais pas. Et c'est une invitation aussi aux gens qui vont acheter le CD ou écouter les chansons une après l'autre, de trouver un peu le parchemin qu'on a essayé de leur tracer. Et ça, c'est encore une fois grâce à ce qu'il a dit Clément tout à l'heure, les kilomètres qu'on a parcouru avec la Mercedes, on va faire un peu de pub, avec notre vieille Merco. Ça fait 5 ans qu'on mange des kilomètres, ça fait 5 ans qu'on déroule des kilomètres de câbles aussi. Et c'est un peu ce parchemin-là qu'on a décidé de mettre. C'est une espèce d'une volonté de sincérité. Voilà, on voulait vraiment dire aux gens, voilà par où on est passé, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et voilà où est-ce qu'on veut aller. Et si vous voulez bien, on veut bien vous embarquer avec nous. C'est ça le parchemin, c'est ça le secret. Et les textes, ils sont traduits sur le net. On a mis les traductions aussi sur le site et tout ça. Et puis je pense que la musique y est pour beaucoup, pour emporter les gens d'une station à une autre, pour arriver au bout de ce parchemin. C'est très bien que tu aies soulevé ce point, parce que notre volonté à la base, c'était de partir présenter notre bébé au Maroc.
et de filmer tout le trajet, tout le périple, tout le trip avec notre voiture qui nous emmène un peu partout en France et de faire un documentaire à la base. L'idée ne s'est pas faite et on s'est rabattu un peu grâce à toute l'équipe qui nous a entouré derrière parce que c'est cette équipe-là aussi qui nous a donné le courage qu'il fallait. Le co-réalisateur de l'album, M. Léo Forastier, Pierrick Vidot et tous ces gens, Séverine Berger, tous ces gens-là. On s'est rabattu sur un clip d'une chanson qui s'appelle Toria et pour vraiment donner de l'eau à la bouche aux auditeurs et puis de leur dire voilà, c'est une histoire sans tomber dans la biographie ou quoi que ce soit, mais juste raconter une histoire et montrer que si tu explores notre album, tu auras droit à plein d'autres images, à plein d'autres voyages. Ah,